le rail est le mode de transport le plus pertinent pour répondre aux objectifs de décarbonisation des trafics de marchandises et de voyageurs. Mais le rail n'a pas vocation à desservir toute la planète. Et la complémentarité avec le maritime, l'aviation et la route est déterminante pour répondre aux défis environnementaux et sociaux. Que ce soit la réduction des émissions de carbone ou de l'emprise des infrastructures ferroviaires sur les territoires, le rail coche toutes les cases. Le transport ferroviaire public peut tracer une nouvelle voie et stimuler la reprise économique basée sur la coopération et la complémentarité plutôt que la concurrence. Notre vision pour le rail est fondée sur quatre revendications. La sécurité, plus de cheminots dans les infrastructures et dans les trains, pour garantir une sécurité optimum des circulations et des personnes et ne laisser personne de côté. La durabilité, créer des millions d'emplois verts de qualité, rendre aux générations futures un monde meilleur, respectueux des droits des travailleurs et de la planète. La justice sociale, où le droit des travailleurs et leurs syndicats soient reconnus et entendus, où les chaînes d'approvisionnement offrent des conditions de travail décentes et une meilleure protection sociale pour vivre dignement. La propriété publique, car elle garantit une meilleure efficacité sociale, environnementale et économique. Où les bénéfices sont investis dans la modernisation de l'infrastructure et des trains, et non pour enrichir des actionnaires privés. Alors si vous croyez en cet avenir, si vous voulez faire en sorte qu'il devienne réalité, soutenez la campagne de l'ITF pour des chemins de fer sûrs et durables.